Eh bien, salut à vous les gars, c'est Mitter, bienvenue pour un nouveau stream. Alors attendez, je vais mettre le chat dès que je vois le stream. Et puis on est parti pour un nouvel épisode. Hop, attendez. J'ai pas changé le titre, je suis un connard. Attends deux petites secondes. Hop. Est-ce que je change le titre? Change les catégories aussi, c'est bon, on est parti pour un nouvel épisode. En effet, alors ça fait quelques temps que j'avais pas stream sur Origins. Bon, tout cas, qui savoir l'épisode, parce qu'on a un petit peu avancé dans les niveaux, comme vous pouvez le voir, que ce soit fait en stream ou de mon côté, on a un peu avancé au niveau. Vous n'aurez pas les rediffs hein, de l'annexe parce que bon, on a déjà fait pas mal. Comme je vous l'ai dit, en vrai, comme j'ai déjà fait une fois le jeu, c'est pas l'annexe qui m'intéresse le plus. Et en épisode pareil, c'est pas ce qui m'intéresse le plus pour vous en épisode. Enfin, faudra me dire pour des Valhalla ou quoi, parce que Valhalla, ça serait une full découverte, donc faudra me dire vraiment ce que vous en pensez, Est-ce qu'on préfère s'occuper un peu plus de l'histoire? Est-ce qu'on a envie de faire un peu plus d'annexes? Est-ce qu'on a envie d'un peu plus se promener? En vrai, comment vous voyez les let's play sur ce genre de jeu aujourd'hui? Parce que c'est vrai que je sais pas trop comment on appréhender le jeu. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se balader. J'aime bien me promener dans des jeux là, mais on fait quelques bifurcations pour monter sur des trucs de temps en temps, mais ou faire deux trois choses. Mais c'est vrai que je l'ai pas fait tant que ça et j'essaie d'esquiver un peu l'annexe si je le peux. Voilà, bon, on l'avait quand même bien esquivé, du coup on avait quand même un peu de retard, du coup j'ai à peu près rattrapé. Je sais pas si ça suffit, ça sera suffisant. Mais pour l'instant c'est bon et on va pouvoir commencer. On va pouvoir continuer cette quête plutôt. Je vous rappelle que oui, Ptolémée du coup est certainement. Non pas Ptolémée, n'importe quoi, Pompée et ses gardes romains. S'était fait casser la gueule tout simplement, là où ils avaient débarqué, que Pompée est en fuite avec César, et puis il s'était fait casser la gueule par les troupes de Ptolémée, du coup c'est un peu la merde pour eux, du coup on va devoir aller à Alexandrie défier Ptolémée parce que là on a plus l'option, du coup on va aller défier Ptolémée. Du coup j'ai combien? J'ai 5 points de compétence, ouais, j'en ai quand même pas mal. Ouais, ça peut être sympathique. Ouais. Ouais, ça peut être sympa. On peut le faire. Puis on ira chercher ce truc-là, prochain point. Mais ouais, on va aller. On va aller voir ça. C'est vrai qu'on pourrait faire ces mecs-là. Niveau 31, on pourrait commencer à faire des mecs un petit peu plus solides. Ouais, la quête est là, donc bon, faut qu'on y retourne évidemment, mais. Mais on peut y aller. On va aller là. Hein. Ce que je sais plus si vous vous souvenez. Enfin, pour vous, c'est de toute façon c'est frais. Même nous, hein, c'est quand même relativement frais. Mais si vous vous souvenez, c'était un point de non-retour. Du coup, il fallait qu'on se mette bien quand même avant de lancer ça. Parce qu'on pouvait pas faire autre chose que du scénario pendant qu'on va être à Alexandrie. On va les défier Pompée. Pas Pompée. Ptolémée. Alors
Attends, est-ce qu'il n'y a pas juste une petite boutique? Ouais, j'aimerais bien vendre un peu mon bazar avant d'y aller là-bas. Ça, je fais un peu le tri, si ça ne vous dérange pas. J'ai un peu de bordel là, à force de me battre. Donc, juste aller faire ça. Et puis après, on est parti pour ce point de non-retour qui risque d'être fort sympathique. J'ai vraiment dit être... Sachant que c'est pas la fin du jeu, on commence à y approcher, on est niveau 31, donc la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai fini niveau 37, donc on commence à arriver au bout, mais c'est pas encore la fin du jeu. Il y a encore pas mal de régions à faire et tout ça, donc c'est pas du tout fini. Mais oui, c'est un point de non-retour, clairement, pour le scénario. Et mais ouais, non, c'est pas la fin du jeu, si vous demandez, clairement. C'est pas encore tout de suite. Hop. Alors vas-y. Ouais, même mes armes commencent à être un peu puantes. Hein. On va se mettre niveau 31, si vous voulez mon avis. Parce que là, l'intégralité de mon stuff, c'est de la merde. Hein. On va tout vendre, j'ai beaucoup de bordel. Sont les arcs que je crois que je peux pas les vendre hein, oui, si ils sont sur moi. Alors celui-là c'est parfait. Entendu. C'est toujours utile. Oui, c'est d'accord. Je vais fumer les miroirs celui que j'ai. Puis le reste. On va vendre. Oui, voilà. Améliorer du coup. Bon sens, on s'en branle. Bon, les arcs, c'est pas grave, je les changerai. Les arcs encore, je m'en fous un peu. Je crois pas qu'il y en ait un qui m'intéresse plus que d'autres. Qu'est-ce que j'ai comme arc? Ah oui, il y a quand même celui-là. On va quand même monter fumer miroir peut-être. Hop, pour cramer les mecs. Ok, on est bien. L'autre arc, je m'en fous, ouais, c'est pas grave. Bah, du coup, on va piquer un bateau. Hein. Alors, il y en a un qui arrive. Là, c'est parfait. Et puis, il y en a même là, en fait. J'essaie d'attraper celui-là, puis on va aller à la quête. Hein. On va enfin pouvoir aller à spawn de retour. Du coup, on avait un peu avancé off, hein. En off. En off ou en stream. Comme ça on est bon pour le pour continuer un petit peu plus. Mais bon, vu qu'il y a une fossée où j'ai fait le jeu, j'ai quand même moins envie de me balader, je vais vous mentir. Pareil pour l'annexe encore une fois, mais c'est vrai que j'aime bien l'histoire comme du jeu. Après, encore une fois, il y a des quêtes annexes très bien écrites. Hein. Mais bon, j'essaie de faire en sorte quand même que Let's Play soit un petit peu dynamique. Donc il y a un peu de ça aussi, mais bon, faut pas hésiter à me dire hein, ce que vous en pensez. Surtout que vous êtes nombreux à regarder quand même, donc ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Évidemment, que ce soit sur le chat ou sur YouTube, n'hésitez surtout pas. Pardon. Il transporte de la bouffe le con. Ah mais on peut pouvoir accéder depuis là, merde. Faut que je m'en mette au touche. Hein. Ouais on est bon. Normalement ça va nous TP Alexandrie après. Hein, je pense. Il va sûrement y avoir une cinématique ou un truc. Pardon. Pire conducteur de bateau là mon con.
Puis là on est dans la partie sur le Nil là, un peu plus marécageuse. Tout à l'est d'Alexandrie. Je crois qu'on peut débarquer là de toute façon. Ah, on peut peut-être continuer un peu par l'eau. C'est là l'eau, ouais. Si on peut y aller, évidemment. Ce qui n'est pas sûr. J'ai l'impression qu'on peut. Non, bon, on va y aller à pied. Brave. Merci, mon brave. Hop, El Chameau. Et puis on y va. Du coup, il va y avoir le point de non-retour. On va sûrement le prévenir. Si je peux lui parler, évidemment. Allô? Ah, c'est bon. Attention, Bayek. Si nous montons, soit la reine montera sur le trône, soit nos têtes finiront au bout d'une pique. J'ai compris. Bien, Y, hein. Yes, mon con, on y va. On y va, on y va, on y va. Il est rare que je transporte une déesse. À notre bord, nous n'avons ni roi ni reine, mais pour moi, nous sommes tous des dieux et des déesses. Tu seras donc en bonne compagnie. Toute chose étrange et terrible sera la bienvenue. Je crains que mes quartiers ne soient pas aussi confortables que votre palais. Le confort, je le méprise. Loyal porteur de bouclier, tu te sens bien ? Je suis en émoi devant cette déesse. Elle mérite nos égards. J'ai peine à croire qu'elle soit à notre bord. Ne te fie pas aux apparences. C'est surtout elle qui a besoin de nous. Aya, voilà la véritable déesse. Là-bas, tu as vu au loin ? Aya, tu montres déjà à Bayek les meilleurs endroits où faire l'amour, hein? Assez, Fox. L'heure est au combat. Mais dévoile. Mère de la mer, nous transportons une cargaison précieuse. La reine Cléopâtre, dame de la perfection. Du jonc et de l'abeille. Et détentrice de tant d'autres titres ridicules que ma pauvre tête ne peut tous les retenir. On a les armes de siège par contre. Maintenant, si vous le voulez bien, regardez droit devant nous. On a de la compagnie qui s'annonce. Ils ne nous feront aucun quartier. Des émissaires de notre petit pharaon. C'est bien aimable de leur part. Accueillons-les dignement, d'accord? Chaudement! Avec toute la flamme de nos cœurs! Ah là là! Ça me rappelle l'époque où je naviguais avec des pirates. On n'a pas de catapulte, terrible image. Tu parles des Siciliens? Ah, je vois qu'on t'a raconté. Et les connards, c'est pas des voiles romaines. Je louais déjà mes c'est des voiles égyptiennes de... Ils préparaient une attaque sur la ville. Putain, merde. Et ils avaient besoin de quelques navires de plus. Ça a été ma seule c'est trop facile, mais sûrement, d'avoir l'autre. Dans la vie de Forban. Je préfère garder un peu de décence. Juste en moi. Parfois, un brin, c'est beaucoup. Il parle ! Le grand Medjay ! Nous sommes en mer, capitaine. Ici, la grandeur t'est réservée. Les chiens de Ptolémée ! Sortez ! Ah là là ! Envoyez les flèches ! Faites-leur goûter à notre feu ! Damasès ! Tiens bon ! Ça va, ils ont pas pris un seul PV, ils sont tranquilles quoi, mes camarades. Plus vite, c'est nous. Augmentez la cadence.
facile de naviguer quand d'autres navires n'essaient pas de nous couler. Si autant de trirèmes disparaissent, la grande flotte sera alertée. Il va lui falloir du temps pour en découvrir les débris. En avant ! Capitaine, mon bouclier sent le charbon. Tu veux bien te taire, Damastès ? On avance ! Ouais. Avec prudence. Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Ouais, c'est possible qu'il y en ait d'autres, mais on va s'irriger vers le phare. De toute façon, au moins, on le voit de loin, lui. Y a pas de problème. Parce que c'est bizarre, on a des armes de siège derrière. Là ! D'autres navires de Ptolémée ! Ils veulent nous encercler et nous ramener vers le rivage. Je vois ce regard dans tes yeux. Pourquoi les combattre ? Pourquoi ne pas passer en force et mettre le cap droit sur Alexandrie ? Je dois m'assurer que la voie est sûre pour Cléopâtre. On doit le faire. Ces Nekhetiadètes vont avoir droit aux flèches de Ré. Il y en a beaucoup là. Ça fait plaisir d'entendre des jurons égyptiens sur un navire grec. Tout l'intérêt de la vie est dans la variété. Et dans le massacre. Ah là là ! La flotte attend des ordres, Aya ! Nos catapultes tireront sur ton ordre ! Ah oui, on a des catapultes. Pas rêvé. La flotte est à ta disposition. Feu ! Voilà, ça c'est de la... Ça c'est de la perte des glingues. Là on est d'accord. Ne les laissez pas border. Ah, la question sa gueule lui. Envoyez-les par le fond. Nickel. C'est pas les rameurs, c'est autre chose. Attends, Phoxidas. Regarde, là, dans l'eau. Deux navires perdus ! Maudit Ptolémée ! Mais sa marine est efficace. Je ne suis pas de ces crétins généraux romains au coffre plein. C'était mes hommes. Du calme, Phoxidas. Ce n'est pas fini. Nos catapultes joueront leur rôle. Ils vont payer. Et cher, par les forces de Zeus, je veux que leur sang rougisse l'océan. Damastès, on a encore des catapultes, t'as vu. Donne le signal. Augmente la cadence. Ça. Ouais. Ah non, ça va. Non, on n'a pas de catapultes à celui-ci. À moins que j'ai encore un bateau. Ah si, j'en ai encore un. Les dieux veulent-ils voir disparaître? Ah oui, en effet. Il y a le boss là-bas. Crois-moi, tu n'avaleras pas ce vieux poisson si facilement. Allons, vieil homme. Inutile d'offenser les dieux sans raison. J'ai toujours préféré. Et par contre, ça va faire mal mon con. Ouvrez les cieux et envoyez-nous vos fléaux. Il nous reste une bête à traquer. Il a un HP, ok. Incadence, abritez-vous! Abritez-vous! Il y a le boss là, mon con. Foutu bateau là. Allez, on va
va s'éloigner un peu où je puisse tirer. Celui où j'ai de nouveau goûté au danger. Rayek, tu as de la chance, Medjay. Nous aussi. D'avoir un compagnon aussi enragé que toi. Dois-je m'excuser de t'avoir remis au travail? Pas du tout, pas du tout. Tu as fait bouillonner mon sang de la folle ardeur du combat. Par Zeus, je n'avais pas vu autant d'action depuis le début du règne du père de Cléopâtre. Les dieux. Ne crions pas victoire trop vite, vieil homme. Nous sommes en mer avec une cargaison qui vaut 1000 navires. Je me demande si Cléopâtre est indemne. Ses vêtements avaient l'air très coûteux. Ils sont tous sauts, c'est fini. Attaque par tribord. J'en ai pas fini. Ces Malakias ne sont pas encore morts. Prenez les radeaux et profitez du brouillard pour fuir. Je vais m'occuper d'eux. Le destin est parfois aussi vil qu'une gare, Saya. Profite des eaux calmes. Je vais rester dans la tempête. Ah, fuyez, bande d'idiots! Oubliez ces flèches de feu! Avant le combat, nous honorerons notre déesse! Tragique, on les abandonne. Tragiques images. Il n'y en avait plus, il y en avait encore. C'est terrible. Dommage pour eux. J'espère qu'ils s'en sortent. Bah, apparemment, on jouait IA. Nous ne pouvons pas verser de sang romain. On ne s'aventure pas dans le palais armé jusqu'aux dents. Alors laissons nos armes. Armées ou pas, ils la reconnaîtront. Ah oui, évidemment. Pour une fois, une entrée de reine ne sera pas nécessaire. Ayez l'air naturel. Nous sommes censés être à notre place ici. Souvenez-vous-en. On n'a pas nos armes quand même, hein. Pour ça qu'on jouait, je pense. Va bien. Je vais bien. Mais oui, du coup, elle est dans un tapis, comme historiquement. Elle arrive devant ses sœurs dans un tapis. C'est moi qui parlerai. Parce que, bah, vous en doutez, hein, c'est des Romains, de toute façon, c'est qu'il y a Jules. C'est le soldat de César. Personne ne passe sans escorte ou sans sceau royal. Je suis le nomarque d'Héliopolis. Ce sont mes Philakitai. Nous apportons des présents de la part de nos marchands. Qu'on les laisse passer. Qu'on les escorte. Suivez-moi. Mais bon, les Romains rigolent pas, hein. Par ici. Notre impérateur apprécie votre hospitalité. Avez-vous reçu l'accueil chaleureux dont nos pharaons... Les célébrations attendent la conclusion d'une alliance. Le vizir et le roi nous ont accordé d'agréables quartiers au palais. Mais je ne peux te garantir que mon impérateur vous accordera audience. Tu es un bon légionnaire. Nous saurons nous montrer patients. Donc. Ça va aller. Repos, légionnaire. Nous sommes au service du grand pharaon Ptolémée XIII, des envoyés de l'Est, avec des cadeaux pour ton impérator. Allez-y. Une offrande ?
Voulez-vous que je vous aide à porter votre tapis ? Merci, mais c'est un tapis sacré. Il doit être porté par des Philakitai. Ils en connaissent les particularités. Écartez-vous, légionnaires. Ils viennent au nom du pharaon. Qui es-tu ? Tu ressembles à un coureur de l'hippodrome. Ah. Tu devrais venir me voir courir. Le guerrier de Siwa. Allez-y par ici. Ça va aller. Repos, légionnaire. En théorie, Ptolémée est jeune, hein, d'ailleurs. Il doit être adolescent, donc on va voir si, quelle taille il a. Techniquement, il est... Techniquement, il est ado. Pompée était ton ennemi, César. Il a d'abord été mon ami. Mais tu as raison, Ptolémée. Parlons plutôt de cette alliance. Que se passe-t-il ? Pardon, grand César. Voici un présent de notre pharaon Cléopâtre. Pharaon ? Ce n'est pas un présent. Ce sont des amis de ma sœur. C'est un piège. Au lieu d'un émissaire, Cléopâtre m'envoie cette chose ? Je me demande comment vous êtes tous entrés dans mon palais. Garde ! Tue ces traîtres ! Mon pauvre frère a laissé le vin tourner au vinaigre et mon royaume tomber en ruine. Grande dame, ton audace n'a d'égal que ta beauté. Flavius, je te prie. Je peux t'offrir ce dont mon frère n'a su me faire profiter. Le mariage. Un vrai mariage, bien sûr. Si tu t'allies à ma sœur, je ferai exécuter tous les Romains d'Alexandrie. Tes menaces sont risibles, petit frère. Dehors, tous. Je vous ferai appeler dès que cette affaire sera réglée. Je veux entendre la version de chacun des Ptolémées. Potinus et Septimius ont disparu. On les a ratés. Tu auras bientôt ta vengeance. L'heure est venue pour Cléopâtre de devenir notre reine. Si elle est couronnée, nous pourrons agir de l'intérieur, détruire leur toile. Demain, la reine aura transformé la flatterie en accord. Retrouvons-nous dans les jardins au lever du soleil. Vous avez prouvé 1000 fois votre valeur. Vous êtes de grands Magi. Bon, évidemment, Cléopâtre va faire l'opération séduction, moi. Cher Aya, merci de ta venue. Tout se passe bien avec le grand César. Tant mieux, ma reine. Tu seras bientôt sur ton trône. Oui, oui. Mais je dois te demander une faveur. Le tombeau. Je crois que César devrait avoir l'honneur de rencontrer le fondateur de notre royaume, Alexandre le Grand. Tu cherches à impressionner ton nouvel amant ? Mais le tombeau est scellé, non ? Il l'est, mais par un acte de Gaïa, pas par un décret royal. Un tremblement de terre au début du règne de mon père en a bloqué la porte. Connais-tu assez notre métropole pour me suggérer un autre moyen d'y entrer ? Les souterrains. Tu pourrais passer par en dessous ? Je pourrais trouver un passage par les citernes et les canaux souterrains. Je remonterai jusqu'à ce que je découvre un accès au tombeau. Cela résoudrait notre problème, mais cela me paraît optimiste. La fortune sourit à ceux qui l'ignorent. Je vais inspecter les lieux autour du tombeau et je trouverai une solution. C'est parfait. J'en suis ravie.
Et oui, du coup, oui, là, va falloir en effet trouver le tombeau. Va falloir trouver comment passer. On a vu que c'était derrière le rideau, mais oui, c'était fermé la première fois. C'est un cul-de-sac, madame. Je veux m'en assurer. Des lances brisées. Ces Romains ont vraiment tout essayé. Étrange. Cette paroi est moins solide qu'il n'y paraît. Je dois pouvoir passer par-dessous. Ou la contourner. On va mettre un gros coup dedans, hein. C'est plus étroit que les grottes de l'ouest de Siwa. Nous étions plus petits à l'époque. Elle tombe d'Alexandre. Et maintenant, mon amour. Il faut passer par les égouts. Personne n'a eu le courage de se tremper dans les eaux d'Abès. Nous avons le courage. Où est-ce qu'on va en sautant là, mon con ? En dessous peut-être ? Ah oui. Puis ouais, Cléopâtre va s'occuper de tout, hein. Elle est là pour ça de toute façon. Elle a un truc à faire, c'est le séduire. Cléopâtre. Historiquement, elle a séduit quand même des hommes très très puissants à l'Antiquité. Que ça soit que ça soit César ou que ça soit Marc-Antoine. On y arrive. Le tombeau. Incroyable. J'espère que tu me trouveras un sarcophage aussi beau. Les désirs sont des ordres, mon amour. Ils disent que ce sarcophage est rempli de miel, que ça préserve le cas. Promets-moi que tu m'enterreras avec ma lame. Je veux pouvoir me protéger dans les champs de roses. Je le promets. Ces inscriptions au fond. Elles parlent de Siwa, la crypte et le sceptre que tient Alexandre. Amon se tient debout parmi des arbres. Une sphère couverte de symboles touche son sceptre. De l'homme au roi, du roi au dieu. C'est la même sphère ? Où est l'orbe que je t'ai donné ? Je l'ai remise à Apollodorus. Il voulait l'étudier. Dégageons le passage pour les autres. Je vais aller inspecter cet endroit. Ces fresques sur le mur. Ouais, donc c'est... Il est recouvert d'ambre aussi, hein, évidemment. Le sarcophage. On va ouvrir à Jules et Cléopâtre. Qu'il a en main, les inscriptions. Depuis mon enfance, cet homme est mon idole. Tu lui ressembles. J'ai pleuré au pied de sa statue à Rome. À 30 ans, il était un dieu dont l'empire s'étendait sur tout le monde connu. Qu'ai-je fait de mes 5 longues décennies en ce monde, Itam et Diovent ? Ensemble, nous ferons bien plus qu'Alexandre. Oui. Quand est-ce que la reine va cesser d'impressionner César pour s'intéresser à nous ? Nos besoins sont aussi les siens. Elle réussira.
Ave, César. Nos émissaires ont été capturés par la garnison sud d'Alexandrie. Les soldats font état de comportements hostiles. Capturés? Est-ce la diplomatie de Ptolémée? Je vais dépêcher ma garde. Des soldats grecs circuleront plus facilement que des Romains. Ma reine, laisse-nous régler cette affaire. Flavius, approche. Vois. Nous avons trouvé le grand roi. Mais bon, ils vont passer un mauvais quart d'heure, du coup, les autres. Je n'aurais peut-être pas à l'affronter en entier. Je préfère rester discrète et éliminer leur commandant. On va t'en prendre aux armées de Ptolémée. J'aimerais me battre à tes côtés. J'ai proposé une bagarre pour distraire la garnison. Bonne idée. Je vais récupérer les émissaires. Moi aussi, je peux bien faire la bagarre, y a pas de problème. Ça me dérange pas. Ouais, ça va, là quand même un arc. Libérez le passage. Ça ne va pas. On va faire attention à pas tirer sur un Romain par contre. Parce que je crois qu'ils déconnent pas, hein, les Romains. Je crois que si on se bat avec, c'est pas bon signe. On va rester dans la garnison là-bas. Ouais, du coup le gamin il est en train de faire tout capoter en faisant n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit historiquement, ouais, je crois qu'il a 13 ans donc c'est 13 ans par là, je sais plus exactement, mais je crois que c'est 13 ans. Donc oui, clairement. Contre César et contre sa sœur, là il y a quand même un certain rapport de force. Puis là il fait tout capoter donc ça nous régale. Ouais, l'autre il est parti provoquer la déglingue. On n'a pas l'aigle. Ouais, il m'a vu lui. Pitié, tuez-moi. Il faut alerter César. Dis-moi ce qui s'est passé. Septimius, il prépare un blocus du port. Ils veulent prendre le palais. Je ne trahirai pas César. Combien de têtes devrais-je couper avant que César comprenne? C'est inutile. Changeons de méthode. Le lion dit qu'il faut marcher sur le phare et prendre la reine au piège. Et puis ils ont dit... Ils sont partis pour... Où? L'homme détient peut-être des informations précieuses. Il faut que je le ramène à César. Ouais, mon con, c'est la déglingue en bas. Comment tu veux qu'on descende? Je veux bien, mais... Pas trop comment je vais descendre, hein. La déglingue, avant qu'il y avait des escaliers là-dedans, ouais. Il y était des escaliers, hein, non? Ouais, il y a ça, mais. C'est pas descendre comme un bourrin non plus. Je dois trouver un cheval.
Et la sortie là-bas. On va les laisser passer. Ah, tiens, il y en a un là, cheval, c'est parfait. Apparemment la population les Romains. Mes amis, ça se passe pas bien, ouais. Fait un jour qu'ils sont là, c'est déjà la merde. Tu as des hommes sur qui tu peux compter. Septimius veut te piéger dans le palais. Le temps presse. La guerre. Je le savais. Flavius, ils veulent le feu. Alors allons incendier ce port. Si nous changeons la lumière du phare, le reste de la flotte saura quoi faire. Nous la rejoindrons en char. Salvez, grand César. Je vais donner l'ordre. Ma reine, tu devrais m'accompagner au combat. Je resterai sur le trône pendant que ces soldats s'étriperont. Je resterai reine jusqu'à ce qu'une épée me transperce le cœur. Et là, mon sang restera sur le trône. Dans ce cas, je reste. Ma vie est à jamais entre tes mains. Maintenant, la partie cruciale du plan. Place ceci dans le foyer du phare. Elle m'accompagnera à travers la ville. Alors, que règne le chaos. Aya, si tu rencontres mon frère, fais ce qu'il faut. L'odeur de la guerre. Nous allons mettre notre reine sur le trône. Tu es la seule reine qui mérite un trône. Donne-moi la poudre. César pense qu'une femme n'est pas digne de cette tâche. Prouve à César qu'il a tort. Ils attaquent à vue ici. Ouais, le phare. Bon, du coup, c'est un peu la phase où c'est le siège d'Alexandrie. Bon, normalement, César finit par recevoir des alliés. Il y a les troupes de Ptolémée aussi, évidemment. Mais... oh putain, j'aurais pas dû sauter, pardon. Ouais. Ma bad. Mais ouais, normalement, César aussi des renforts. Il y a le siège d'Alexandrie. Il y a une bataille aussi le long du Nil. Et du coup, il y a des Romains avec, avec le Ptolémée. Du coup, ça va être la grosse déglingue. Puis là, c'est la guerre, mon con. Ça marche aussi par le haut. Hein. Bon, on a déjà monté une fois, donc
Merde, l'épave devant moi là. Il n'y a plus qu'à le refaire. Bon, par contre, 100% il va y avoir des gardes. Apparemment, il y a un combat et des alliés. Est-ce que c'est la population ou c'est les Romains? Ils sont avec nous, ouais, c'est les Romains. On trouve comment on rentre. Bah, a priori parlant, on devrait pouvoir monter. On va monter sur la tête de ce type là. On voudrait qu'on puisse rentrer dedans. Hein. Aïe. Ouais, y a des Romains qui ont cassé des gueules en bas. Il n'y aura personne en bas, c'est qui est bien. Ça marche aussi apparemment comme ça. Je dois pouvoir rentrer là, ouais. C'est l'heure de mourir. Le problème c'est qu'Aïe elle a pas de bouclier. Du coup on peut pas les bourrer comme on veut. Moins facile à jouer que l'autre, hein, clairement. Que quelqu'un écrase ce misérable. Comment est-elle venue ici? Alpha, tu là, s'occupe enfin des choses sérieuses. C'est mal à 80. Tu offenses ma lame. Aïe, aïe. Ouais, elle est moins simple à jouer, hein. Quand ils sont plus nombreux, on rigole moins là. Je sais pas si je peux leur casser leur bouclier. Ah bah c'est super ça, on repart en bas en plus. Parce que le problème c'est qu'elle a pas les mêmes aptitudes donc c'est pas mon histoire, mais sinon je rechange les esquives, mais elle est moins sympa à jouer. On peut pas vraiment briser leur bouclier, du coup c'est un peu compliqué. Il y a vraiment un Égyptien encore en vie dans tout ce bordel là. Du coup, je suis pas sur le bon côté là, non. Je peux monter ou pas là, non. J'étais de quel côté là. C'est où la bagarre? C'est là. J'étais au-dessus, ouais, c'était là-haut. J'étais du bon côté, du coup. Hop, bon, on va essayer de pas se faire tuer cette fois. Hey, qu'est-ce que... J'arrive à parer en fait. Que quelqu'un écrase ce misérable Lotus. Comment est-elle venue? Halt! Tu là, on s'occupe enfin des choses sérieuses. C'est mal à cadre. Ouais, en vrai, je peux réussir à parer avec elle. Hein. Je pars beaucoup plus avec elle. J'arrive à repousser le coup en fait parce que on n'a pas de bouclier, du coup c'est un peu la merde.
Où est-ce que je monte là? Parce qu'il y a des pointes de l'autre côté. On va monter de façon... Bah, y a... c'est juste au-dessus en fait. Bon là ça sent le boss. Il m'a semblé entendre un scarabée escalader ma tour. Ouais. Ah, tu me rappelles les putains d'Alexandrie qui m'offrent généreusement l'ordre des anciens. Je vais peut-être te garder en vie. Là, c'est mon cœur que tu offenses. Ce phare appartient à Ptolémée. Disparais! Ce phare ne brûlera que pour Cléopâtre. Le gros bourrin, évidemment. Ok, très bien. Ouais, comme ça, hein. Je crois qu'il n'y a plus besoin de passer à l'intérieur. Là, il n'y a plus de pointe là pour remonter. C'est pas gentil ça de nous laisser devant ça là. Ça va sûrement nous remettre avec Bayek, mais du coup on verra pas la fin de la scène pour l'instant. Tragique. Les hommes de Ptolémée enfoncent nos lignes. Non. Nous attendrons de voir le signal. Comment as-tu pu confier à une femme une tâche d'une telle importance? Comment la flotte va-t-elle recevoir ses ordres? Patience, César. Bon, elle va y arriver, hein. Allez, à Jacques Taes. Allez, rejoignons le champ de bataille. Mechai, couvre notre retraite. Beaucoup ont douté d'Aya, mais tous ont péri par sa lame. Ah ah, hey hey. Hors de mon chemin. Accroche-toi. Accroche. J'espère que tu es aussi bon archer qu'on le dit ou nous mourrons! Contente-toi de conduire et tenir ces chiens à distance. Curieuse manière de parler de tes compatriotes! Ceux qui renient notre peuple ne sont plus mes compatriotes. Quel bordel! Regarde derrière! Oui, bah laissez-moi tourner ma caméra, mon dieu! Je m'en occupe. Alors fais vite. Derrière, ce char gagne sur nous. Là, il gagne sur nous. Je tire aussi bon, vite que je peux, Romain. Calme-toi, Jules. Oh putain, qu'est-ce que j'entends là? Oh, je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas le savoir, César. Je crois qu'il y a un effort de guerre, mon con. Encore le distancer. Oui. Voilà. Allons l'affronter. Prépare-toi, César.
au combat le plus difficile de toute ta vie. Je crois que tu exagères. Et Osiris en personne. Bon, par contre, je sais pas si un... Tiens ce char en ligne. Je sais pas si un éléphant est plus rapide qu'un char historiquement. Je suis pas certain de l'information. Je sais pas, si ça court vite un éléphant. Contente-toi de me débarrasser de ce monstre. Nous approcherons du phare. On va pas tarder à se retrouver dans l'eau. Lance plus fort. La flotte. Je n'ai plus rien à lancer. Quand tu veux, Bayek. On chantera nos prouesses, Bayek. Allons, rejoignons les navires. Nous serons les héros de la lame et de l'esprit. La ligne mesure 3 stades. D'après nos spéculateurs, c'est Potinus qui mène la charge. Continue à occuper les soldats. Je me charge de Potinus. Ad victoriam. Et bien voilà, il y a parfois là qui est parfait pour commencer un épisode. Bon, du coup, c'est la bataille sur le Nil hein, avec César contre Ptolémée. Bon, là, il y a quand même pas beaucoup d'adversaires, c'est dommage, on n'est pas dans une vraie bataille. Mais du coup, ouais, il y a une déglingue. Et puis, on va se taper un boss du coup. Voici Yugurta. Elle brûle de faire ta connaissance. Potinus, tu vas rejoindre la... Allez, Yugurta! Charge! Les dieux m'ont chargé de vous réduire en poussière. Jamais été capable de contrer nos plans. Aïe. Oh, j'aimerais tellement que tu puisses te voir comme je te vois, Bayek. Au sein de cet ordre malfaisant prend fin, Potinus. Affronte ton jugement. Ils sont allés trop loin, Assiwa, je le savais. Mais je ne souhaitais que la paix pour l'Égypte. Ta paix a fait couler beaucoup de sang. C'est inévitable. Aucun régime n'y échappe. Je m'excuse, Bayek de Siwa. Voilà qui paiera mon passage. Puissais-je aller vers ma gloire? Il n'y a plus de gloire en Égypte.